Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Ainsi soit-il. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette émission et nous croyons que le Seigneur est en train de vous bénir et de faire de grandes choses dans votre vie à travers cette émission. Le lundi passé, j'ai lancé un cri de cœur que j'ai appelé « Christ est-il mort pour rien ? » Est-ce que Jésus-Christ est mort pour rien ? Alors, ce matin, je veux continuer dans le même sens et prier pour vous à la fin de cette émission. D'abord, je veux vous dire d'entrée de jeu que Jésus-Christ, selon les Écritures, est venu sur la terre pour un but. Et d'abord, de manière générale, Dieu ne fait rien sans un but. Et il ne peut pas permettre la mort de son Fils vraiment sans rien, sans but. Jésus-Christ est mort. Dieu a sacrifié son Fils. Dieu dit sacrifier son Fils bien-aimé, à cause de toi, pour que certaines choses soient faites dans ta vie. En dehors de ce que, comme je l'ai dit la fois passée, en dehors du pardon des péchés, tout ça c'est très important, c'est capital même. La vie éternelle, c'est capital, c'est les premières choses. Mais moi, à partir d'un temps, j'ai commencé à réfléchir. Si les autres choses que Dieu a dites, qui sont les effets de la mort de Christ, nous ne les voyons pas dans notre vie. Alors, ce qui est abstrait, ce que nous croyons, que nous voulons aller voir au ciel, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'aimerais que toi-même, tu te poses cette question. Parce que le Dieu qui a dit ça, a dit aussi l'autre chose. Alors, premièrement, je vais vous dire que Jésus-Christ est mort pour régler les problèmes de la chute. Les choses avec lesquelles Dieu n'a pas créé l'homme et qui sont venues après, Jésus est mort pour régler ça. Dieu n'a pas créé l'homme avec la maladie. Dieu n'a pas créé l'homme dans la pauvreté. Dieu n'a pas créé l'homme dans la honte, mais dans la gloire. Les problèmes, l'affliction, les douleurs, tout ce que nous voyons aujourd'hui sont les conséquences de la chute. Et Jésus est mort pour régler les problèmes engendrés par la chute de l'homme. Et combien de personnes aujourd'hui qui ont cru? Et malgré notre foi, nous voyons toujours encore dans notre vie ces problèmes engendrés par la chute de l'homme. Alors, aujourd'hui, je veux toucher rapidement trois petites choses. D'abord, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que comme Christ est mort pour le pardon de tes péchés, il est mort aussi pour ta guérison. Alors, pourquoi nous allons voir, tu crois, en effet, tu crois au pardon, que tes péchés sont pardonnés, parce que la même mort produit les mêmes effets. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas guéris? Réfléchissons un peu. Parce que le pardon des péchés, Christ est mort pour ça. La guérison, il est mort pour ça. Pourquoi tu crois de l'autre côté que c'est vrai, tes péchés sont pardonnés et tu ne vois pas la guérison de ton corps? La Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. J'aimerais qu'on lise. Lisons. Ça, c'était prophétique, ce n'était pas encore fait, mais c'est fait aujourd'hui. La Bible nous dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a beaucoup de choses là qu'on a mentionnées que la mort de Jésus-Christ doit produire dans notre vie. On a mentionné le pardon des péchés. Tous les chrétiens croient en ça là. Nous le confessons tous les jours. Il n'y a pas un jour où nous ne disons pas ça. Mais dedans aussi, on dit, par exemple, qu'il est mort pour nous donner la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie paisible? Une vie de paix. Une vie qui n'est pas troublée. Une vie qui n'est pas agitée. Combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie de quiétude? Combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie agitée par les situations de la vie?
une vie tourmentée. Alors que la Bible dit que le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Normalement, si la mort de Christ n'est pas venue plus tôt dans notre vie, nous aurons la paix dans notre vie et nous aurons la paix avec Dieu. Et ici, on dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Si tu vas dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, ici c'est prophétique, mais là-bas dans 1 Pierre 2, 24, la prophétie s'est déjà accomplie. La mort de Christ est un fait. Notre guérison est déjà un fait. C'est déjà accompli. Mais pourquoi on ne voit pas la guérison dans la vie des chrétiens? Et si tu vas dans Jérémie 33, verset 6, Dieu dit, je les guérirai, je leur donnerai la guérison et la santé. Comment Dieu va nous guérir? Il ne nous donne pas de médicaments. Il ne nous donne pas de médicaments. Il ne nous envoie pas vers un médecin. C'est vrai, je ne suis pas contre ça. Mais aujourd'hui, j'ai déjà pris médicaments pour mes douleurs de corps. Mais je lance un cri de cœur. Un chrétien ne doit pas avoir un mal qu'il est en train de traîner. Non, un chrétien ne doit pas avoir une maladie qu'il est en train de traîner. Une maladie qui ne guérit pas. Je ne dis pas que tu ne vas pas tomber malade. Parce que quand on dit « nous sommes guéris », ça veut dire que en temps, le mal est venu, mais tu dois en être guéri. Si tu souffrais avant de venir à Christ, tu dois être guéri maintenant que tu crois en lui. Le mal que tu as traîné dans le monde sans en être guéri, que tu as traîné chez les médecins, que tu as traîné chez les marabouts, en Christ aujourd'hui, tu es guéri. Et je lance un appel à quelqu'un, parce que je crois, c'est un cri de cœur, c'est un cri révolutionnaire. Normalement, l'église doit être débarrassée de maladies. L'église doit être un centre de guérison. Ou quand les gens souffrent dans le monde, ils doivent courir là-bas, comme ils vont à l'hôpital et ils seront guéris. Et même les maux qui ne sont pas guéris à l'hôpital seront guéris par la mort de Jésus-Christ. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ce mal, tu peux en être guéri. Au nom tout-puissant de Jésus, je veux prier pour tout le monde maintenant. La mort qui a pardonné tes péchés, c'est la même mort qui te guérit. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, si tu as dans ton corps un mal qui te dérange, si tu peux entendre ma voix ou me regarder, que la guérison te localise, que la mort de Jésus-Christ manifeste la guérison dans ton corps, parce que la Bible dit pas, c'est maîtrisé, nous sommes guéris. Que cette semaine soit pour quelqu'un une semaine de paix et une semaine de guérison. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Appelle-nous et témoigne. Parce que je sais, si ce qui se passe en moi peut se passer en toi, tu vas recevoir une guérison surnaturelle. Écris-nous pour témoigner. Et je veux lancer un mouvement réactionnaire. Nous devons réagir contre les théories et passer à l'expérience. Que la grâce soit avec toi et que cette semaine soit pour toi une semaine de bénédiction surnaturelle. Au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, donne-lui ta vie. Engage-toi profondément. Dans une église, je ne te demande pas nécessairement de venir à la CIR. Si tu es en France, si tu es aux États-Unis, au Canada, cherche une église évangélique et va là-bas, là où on enseigne la bonne parole de Dieu, où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, que la semaine soit pour vous une semaine bénie. Abonnez-vous à nos pages digitales, Facebook et YouTube. Et nos lieux de réunion sont également ouverts. Nous vous invitons à venir expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte? Vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu? Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique? Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikekodji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adishina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-Neveu. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou et de 10h à 12h30 à Porte-Neveu. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis. Au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.